Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo ouverture de colis. Donc je sais ça fait quand même beaucoup d'ouvertures de colis, mais bon voilà, j'avais quand même envie de vous la filmer. Et bah c'est parti, surtout que là il y a plus de figurines normalement. Enfin je crois, je sais pas, je sais plus. Donc là j'ai le petit paquet que je fais dedans. Donc là j'ai commencé un petit peu à couper. Donc on voit une tête qui dépasse, mais il faut que je continue à couper parce qu'en fait j'ai mal coupé. Donc voilà. Donc les voilà, ils sont tous dedans. Trop hâte. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais l'ouvrir. Donc là je vais piocher. Hein, voilà. Alors on va commencer. Oh, il est magnifique. Par cet étalon. C'est un. Je lâche l'eau là. Parce qu'il n'est pas trop abîmé, même voire pas du tout, il a juste un petit truc blanc là, je sais pas si c'est là. Voilà, et d'autres petits défauts comme ça, mais il n'y en a vraiment pas dans sa face. Et il est tout simplement magnifique. Donc c'est un monde. Franchement il est magnifique, je pense que c'est comme ça. Ensuite une photo, je vais mettre là. Ensuite donc là c'est un collecteur. C'est mon premier collecteur encore. Donc il a juste un peu au niveau du postérieur. Et là, mais ça passe, franchement, ça passe. Donc là, je vais pas trop m'attarder, je vais en tout vous montrer et après vous expliquer plus de détails. Donc là, on s'en fiche. Ensuite, donc, c'est quoi ça? C'est un schlèche. Ah oui, c'est mon. Vous savez, les tout premiers poulains là, hyper rares. Ben voilà. Hyper rare, ultra rare. Donc franchement, il est pas trop abîmé pour la valeur qu'il a. Franchement, j'en suis très très contente. Surtout que ben, là, je l'avais vraiment pas cher. Franchement, je suis trop contente. Donc, je sais pas si j'arriverai à lire. J'arrive pas trop à lire là, mais désolé si ça, déçoit certains, mais. Oui, je réessayerai tout à l'heure, mais là j'avoue que j'arrive pas trop à lire. Donc franchement, je suis trop trop contente. Donc je crois que c'est la pouliche pursuant rare, mais je suis pas sûre. Ensuite, encore un rare, mais franchement, lui, il a quand même quelques points. Il est plutôt gros et grand. Voilà, donc il prend toute la place.